Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de filmer cette vidéo parce que j'ai l'impression que ça fait 100 ans que j'ai pas filmé. Parce que là, il s'en est passé des choses. Normalement, il devait y avoir des vidéos qui sortaient avant ça. Mais pour ceux qui me suivent sur Insta ou sur TikTok, non plus sur Insta parce que sur TikTok j'ai rien posté encore. Je suis partie en vacances à Lanzarote avec ma copine il y a genre un mois maintenant. Et on est resté une petite semaine. Et en fait, au retour, j'avais ma caméra dans mon sac. Et quand je suis sortie de l'avion, elle n'y était plus. Et je me suis rendu compte, bien sûr, 3 heures après. Du coup, plus de caméra. Donc, soit on me l'a volée, soit. Parce qu'en fait, on n'était pas à côté avec ma copine. On n'était pas du tout à côté avec ma copine. Et j'étais entre deux filles. Il y en a une, c'était une petite maman, enfin, espagnole et tout. Je vois pas pourquoi elle m'aurait volé la caméra. Et l'autre, c'était une jeune, plus âgée que moi, mais elle était jeune, toute seule. J'ai l'impression qu'elle a dormi tout le vol. Après, moi aussi, j'ai dormi, donc je sais pas. Mais voilà, du coup, plus de caméra. Donc, soit c'est une des deux qui me l'a volée, soit elle était dans mon sac. Et quand on a atterri, vous voyez, l'avion, il fait un peu de turbulence et tout. Et elle a sauté de mon sac, elle est tombée, mais je me dis, je l'aurais entendue quand même. Après, je sais pas, ça fait tellement de bruit aussi en avion. Du coup, voilà, plus de caméra. Donc là, je filme avec mon téléphone. Je vais rééconomiser pour pouvoir en racheter une autre. Et franchement, j'ai eu tellement les boules. J'ai fait tous les trucs nécessaires. Objets perdus, machin. En vrai, je vais pas vous raconter parce que c'est hyper long, mais j'ai vu la caméra. J'étais dégoûtée parce qu'il y avait tout le vlog, bah, du coup, de mon voyage dedans. Tout mon travail. J'avais fait une vidéo pour une marque que j'avais filmée là-bas et tout parce que justement. Enfin bref. Du coup, j'ai tout perdu. En soi, c'est rien, c'est que du matériel, mais ça me faisait vraiment suer pour tout le travail qu'il y avait dedans, quoi. Tout mon vlog, mes photos et tout. Heureusement, j'avais pris des photos avec mon téléphone et pas que avec ma caméra. Mais... Ah, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est fini maintenant. Je suis rentrée maintenant. Je filme avec mon téléphone. Je sais absolument pas ce que ça va rendre. Je sais même pas si ce vlog va sortir. Du coup, je vous dis, là, on est samedi. Je vais travailler. Et je vais faire ce week-end. J'ai un week-end de 3 jours. Enfin, là, je vais travailler jusqu'à 14h30. Donc, j'ai samedi après-midi, dimanche. Et lundi, j'ai pas cours. Du coup, je vais faire un sorte de spring reset. Je me souviens plus si j'avais fait ça l'année dernière. Et donc, du coup, voilà, je vais ranger ma chambre, refaire ma garde-robe, enlever un peu mes affaires d'hiver et mettre un peu celles qui sont un peu plus estivales. Et je vais acheter des nouveaux trucs. Cet après-midi, on va aller faire un peu les magasins vite fait. Après, je sors. Et demain matin, je vais faire mes ongles parce que là, c'est vraiment catastrophique. Ils ont trop repoussé. Et bah, c'était mes ongles pour partir en vacances. Maintenant, j'en veux d'autres. Donc, du coup, voilà. Et ça va être un vlog assez productif. Et voilà. Donc là, c'est parti. Let's go to work. Il fait beau aujourd'hui, en plus il va faire genre 26. Ça va être trop bien. Après, faut que je me dépêche parce que sinon je vais arrêter mon bus. J'ai trouvé ça. C'est trop mignon, j'ai pris une bougie. Elles sont hyper bonnes et j'ai des petites fleurs comme ça que je vais mettre dans ma chambre. Mais en fait, j'ai pas de vase, donc je trouve un petit vase. Sinon, il y a des trucs là trop mignons. Mais je sais plus. Regardez, il y a des fausses petites tulipes. C'est trop mignon, j'aime trop. Ça aussi, c'est bien. Voilà, gros flop, j'aime pas du tout. En fait, j'ai l'impression que c'est un faux jean. Je sais pas comment expliquer. Mais il fait pas. Je sais pas, il fait grave mauvaise qualité. Donc. Pourtant, j'adore la couleur. Je veux justement une couleur claire comme ça, mais j'aime pas du tout la qualité. Genre, je sais pas. J'aime pas. Bon, allez, hop, c'est fini, j'arrête. Non, je suis dégoûtée. Pourtant, la couleur est trop belle. Mais j'aime pas de la matière. Alors, vous voyez, mon jean là, il fait plus jean. Alors que là, on va voir. Je viens de rentrer chez moi.
J'en peux plus, il fait 26 degrés dehors. Bah, bien sûr, ce matin à 8h, quand je suis partie, il faisait pas 26. Donc, j'avais mis un sweat à manches, mais là, je vais me changer. Et après, je ressors. Voilà. Aujourd'hui, c'est jour de ménage. Je vais faire un tri dans mes affaires. Je vais ranger ma chambre. Je vais réarranger ça. Parce que j'ai acheté hier, du coup. Parce que mon rendez-vous pour les nuits a été déplacé soit à demain, soit à mercredi. Donc, je vais pas les faire aujourd'hui. Du coup, je me suis réorganisée. Et avec ce que j'ai acheté hier. De toute façon, vous avez un peu vu. Je vais réarranger ma chambre, la redécorer, mais genre vraiment vite fait. Et voilà. Donc, ménage, tri dans mes affaires. Parce que du coup, vu que je suis super contente de ne pas pouvoir faire mes ongles aujourd'hui, j'ai besoin de compenser avec autre chose vu que je suis une enfant. Et demain, je pense que du coup, je vais aller faire les magasins. Voilà. J'ai déjà acheté des trucs, genre, qui sont là. Mais j'attends d'avoir plus de trucs pour pouvoir faire un haul. Du coup, ça va être ça le programme d'aujourd'hui, je pense. Voilà, après ce soir, je me lave les cheveux. Et après, ça va être en mode... Je regardais un film sur mon projecteur. Presque tous les dimanches, je fais ça et c'est trop bien. Je kiffe mon petit moment, mon petit dimanche à moi et tout. Donc... J'ai déjà à peu près avancé. Bon, regardez pas mes chaussettes. Mais franchement, bon, c'est pas plié. Hein. On passera le pliage. Mais c'est pas mal, je trouve. Déjà, j'ai viré plein de trucs. Voilà. J'ai tellement de pulls alors que j'en mets que deux en fait. Voilà. Ça va Maya? T'es contente? Y'a plus de place. Y'a plus de place pour Maya. Bon les gars, je crois que j'ai fini là de ranger. C'est beau! Je suis plutôt fière de moi, franchement. Look! C'est tellement beau quand c'est propre comme ça. Bon, ça c'est encore un peu messy, mais c'est mes sous-vêtements. Mais regardez. Tout est rangé. Et tadam. Fini mon armoire, il faut absolument que je m'occupe de ça. Parce que c'est un peu le bordel. Vous voyez, il y en a un peu partout. Et j'ai envie d'enlever des trucs pour pouvoir en mettre d'autres choses de nouvelles et tout. Dans ce que j'ai acheté hier. Donc, on va faire ça. J'aime trop cette partie de ma chambre. Là et là. Incroyable. Par exemple, le truc Mogu, je sais pas pourquoi il est là. Je l'ai jamais bu, j'aime pas. Je sais même pas pourquoi j'ai ça dans ma chambre. Poubelle, ça fait depuis 7 ans qu'il est ici. Il y en a marre. Enfin, que je l'ai en tout cas. Il est tout pourri, dégueulasse. Ça, oh, c'est trop la meilleure senteur. Enfin, bref, il y a plein de trucs. Ça, c'est une bougie qui est vide. Là, il y a plein de trop de trucs qui vont pas là. Il y a des livres, il y a des gâteaux, il y a un truc pour mettre sur les frigos. Je l'ai acheté pour ma chambre, mais je sais pas où le mettre. Il y a ça. Ah! Il y a ça que j'ai ramené d'Egypte que je trouve trop beau. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Donc, on va tout. Voilà. Regardez. Donc, là en haut, c'est comme ça. Ensuite,
on passe là, ensuite là et là. Du coup, là, il est 21h30. J'ai fini de me doucher, laver mes cheveux et tout. Et je vais me mettre en mode... J'ai regardé la Reine Charlotte. Je sais, je suis en retard. Mais en fait, c'est ma copine de classe, Tess, qui m'a dit « Mais regarde, tu vas trop aimer et tout. » Je comprends pas que t'aies pas encore regardé quoi. Faut que je regarde la Reine Charlotte. Et c'est trop bien. Je kiffe leur histoire. Je sais pas si je suis au coup, c'est parce que j'ai fait un gommage. Bah, du coup, elle en a marre. Mais du coup, je suis toute luisante. Parce que j'ai mis de la crème. Et du coup, voilà. Je vais faire ça. Et voilà, du coup, demain, j'ai rendez-vous à mes ongles à 4h30. Du coup, je vais me lever tôt demain matin. Sinon, je vais déjà me lever tôt. Je vais me lever tôt et je vais aller faire les magasins. Donc, voilà. Du coup, là, je suis ready. Je vais aller faire un peu les magasins. Donc là, il est 9h30. Je suis très matinale ce matin. Regardez ce beau soleil. Je suis trop contente. Et du coup, je vais aller faire un peu les magasins. Et cet après-midi, j'ai mon rio pour les ongles. J'ai trop hâte. J'adore faire mes ongles. C'est trop bien. Elle les fait trop bien. Et j'aime trop. Je vais vous mettre une photo de ce que je veux faire, parce que pour une fois je sais ce que je veux faire et je veux absolument ça, mais en forme carré, pas en forme allemande. Du coup voilà, regardez, c'est trop beau, j'aime trop, c'est exactement ce que je veux, genre le top incroyable, le jean. En fait j'aime trop la coupe, c'est vraiment cette coupe là que je veux, mais la couleur j'ai du mal. En fait là c'est le même, mais vous voyez la couleur c'est pas pareil, et c'est la même coupe, enfin c'est le même, la même ref et tout genre, mais c'est pas la même couleur, ça m'énerve quand ils font ça. Du coup je vais voir si j'ai pas celui-ci, parce que ça c'est du 34 et j'aime pas comment ça fait, et ça c'est du 36 et c'est exactement comme ça que je veux qu'il taille, mais je veux cette couleur. Donc je vais voir s'il n'y a pas genre un 36 qui a un peu cette couleur là. Sinon je prendrai lui. Mais voilà. Est-ce qu'on en parle de ce haut? Genre, il est incroyable. J'aime beaucoup trop. Genre c'est une grosse maille comme ça. Genre ça tient hyper chaud. Mais j'aime tellement la couleur, la coupe. Tout en fait. Tout est trop beau. Franchement je kiffe. J'achète en fait. J'achète. Ça c'est le jean de Bergerac que j'ai eu. Du coup, ça j'ai essayé, j'achète. Ça j'ai essayé, vous allez pas voir. Ça j'ai essayé, j'achète aussi, je vais vous mettre des photos. Et là je vais essayer ce beau jean, mais je vais tout acheter en fait. Vraiment c'est incroyable, j'aime tellement. Et ça aussi c'est un oui, j'achète. Là ça y est, c'est bon, je refais ma garde-robe de printemps. Ça y est. Genre j'aime trop la matière. Et ouais voilà quoi. J'aime beaucoup. En plus il est en promo. Donc voilà, je prends tout en fait. Sauf le jean que j'ai essayé là, il... ça va pas. Mais les 3, 4 au du coup. Mes ongles, c'est vraiment ce que je voulais. Et qu'est-ce que je voulais dire, j'ai l'impression d'avoir des tableaux de peinture sur mes ongles. Enfin, vraiment, les ongles, pour moi, c'était un accessoire. Alors, j'aime trop, l'impression c'est une extension de bijoux ou je sais pas quoi. Mais bref, voilà, je suis trop contente. Là, il est 20h15, je crois. J'ai déjà mangé. Je vais aller me doucher parce que j'ai froid. Aujourd'hui, il faisait froid alors qu'il y a deux jours, il faisait genre limite 30 degrés. Et là, il fait genre 8 dehors. Donc, il fait hyper froid. Je vais me prendre une douche bien chaude, me mettre en pyjama. Et je vais me faire des petits masques. Parce que je vous ai montré que j'avais acheté des masques. Voilà. Donc, vu que j'en ai pas fait hier, je vais faire ça comme masque aujourd'hui.
Et voilà, du coup, je vais me doucher et après, je vais me mettre en pyjama, me poser dans mon lit. Demain, je retourne en entreprise et j'ai vraiment pas envie. Et bon, j'ai déjà envie d'être en vacances. J'ai juste eu la flemme de poser mon masque et de me poser, d'attendre et d'aller l'enlever et tout. Donc du coup voilà, je pense que ça va être la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas je voulais grave vous dire merci parce que je lis tous vos commentaires et il y en a, vous êtes trop mignons, vous êtes trop gentils et tout, ça me fait trop plaisir. Donc même si j'ai perdu ma caméra et que je suis dégoûtée, je suis quand même trop contente de pouvoir continuer et j'aime trop ça, donc c'est pas parce que j'ai perdu ma caméra que ça va m'arrêter. Donc voilà. Et voilà, prenez soin de vous. Love you.